Aujourd'hui, on est le 31 octobre 2023. On est le 24 décembre 2023. Aujourd'hui, on est le 31 décembre 2023. Aujourd'hui, on est le 8 février 2024. C'est mon dernier Halloween avant de partir aux États-Unis. C'est mon dernier réveillon de Noël en France avant mon année d'échange. Et c'est la dernière fois avant mon année d'échange que j'ai fait le nouvel an en France. Et j'ai eu mon placement. Je m'appelle Isaline, j'ai 16 ans et dans 5 jours, je pars 10 mois aux États-Unis, au Texas, dans une famille d'accueil américaine et je serai scolarisée dans un lycée américain. Et donc, dans ce vlog, vous allez pouvoir me suivre durant mon voyage pour aller jusqu'à Houston. Je pars donc le 3 août. Mon premier vol est à 6h25, je crois. Je fais Toulouse-Paris et ensuite Paris-Houston. J'ai commencé mes valises, il me reste encore beaucoup de choses à faire, mais c'est un bon début. Du coup, maintenant je croise les doigts pour que ma valise soute fasse moins de 23 kg parce qu'on a le droit à une valise soute à moins de 23 kg, une valise cabine à moins de 12 kg, je crois. Donc j'espère que ça va rentrer. Du coup, voilà, elle est bouclée et il faut que je finisse ça. Ça y est, mes valises sont prêtes et normalement je n'ai plus rien à mettre dedans. Aujourd'hui, c'est ma dernière nuit en France. C'est la dernière fois que je fais dodo dans ma chambre. Quoi? Bah rien. C'est mon dernier jour en France aujourd'hui. On est le 2 août et voilà, c'est le soir. Dans quelques heures, je décolle. Et voilà. Dernier repas en France. Dernier dessert français. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Tu sais que c'est pas mon anniversaire? Joyeux fête. Oh. Comment on dit je t'aime en anglais? Bravo. Tu te sens comment? Bien. Est-ce que tu te sens triste à propos de mon départ qui va non, te bouleverser? Parce qu'après on va aller au Futuroscope et... Ok, très bien. Je retiens. Ça y est, c'est aujourd'hui. Là, il est 2h30. J'arrive pas à réaliser. C'est trop bizarre. Ça y est, je suis prête. J'ai mis une petite boucle d'oreille. États-Unis. J'ai mis mon collier aussi. Avec ma botte. Voilà. Au revoir, Chacha. Attends, dis-moi. Et je suis pour rêve. Ça va, Timothée? Tu le dis comment? Tu le dis comment? Le manque de ta soeur, ça va? Okay. Au revoir, la salle de bain. Au revoir, la chambre de Paul. Au revoir, la chambre de Timothée. Et le meilleur pour la fin. Au revoir, ma chambre. A bientôt. Isaline, oui. On va toujours passer à toi. Oh, c'est vrai? Merci. Mon père, il a essayé de jouer à Tetris. Il a bien réussi, bravo à lui. Ça y est, on est dans la voiture. On est dans la voiture. Nous y est. Nous y est. Pourquoi nous y est? À l'aéroport. Quoi? Ressenti sur la situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas super. Pas super, ok. Et toi, comment tu te sens? Au top. Ça y est, je suis dans l'aéroport. J'ai enregistré ma valise. Premier vol et j'ai le hublot, donc je suis trop contente. Voilà.
je viens d'arriver à Paris. J'ai croisé une étudiante d'échange qui partait avec ISPA aussi, mais elle prenait pas le même vol que moi, du coup on s'est juste croisé vite fait. Et du coup là je vais à la porte d'embarquement et normalement je retrouverai une autre étudiante d'échange qui est dans mon vol et on sera à côté. Et du coup voilà, ça s'est très bien passé, juste il y avait 10 minutes de retard mais ça allait. Voilà, j'ai passé la douane et là je vais vers ma porte d'embarquement. On vient de passer la douane et maintenant on va chercher nos bagages. Hello, me voilà 3 semaines après. Ça va faire du coup 3 semaines que je suis aux États-Unis. Ça passe super vite et c'est trop bien. Je vous propose de vous montrer ma chambre ici. La famille d'accueil est adorable et m'ont fait une chambre. Je leur avais dit que ma couleur violet c'était ma couleur préférée et vous allez voir, c'est trop beau. J'ai même mis des photos de ma famille et ça c'est la petite pancarte. Voilà, c'est vraiment trop beau. J'ai même ma propre télé. Et j'ai même mon propre dressing. Voilà. Je suis super reconnaissante pour tout ce qui m'arrive. Et voilà, à bientôt!